Moi, je vois pas que les gens ils avaient ça, ça se fait pour lui. Super! Si? Super! On va le parc décoré après ça. Le passage de la flamme sur le canal Saint-Martin à Paris. À Paris 10e, tout près de l'hôtel du Nord. On y était, on va dire, on y était. Hein? Ouais, moi aussi, mais bon, on y était. C'est un peu rassard. Voilà. Moi, c'est un peu rassard. Passage de la flamme sur le canal Saint-Martin. On est vendredi, jour J de la cérémonie des. Le début des Jeux Olympiques à Paris. C'était le passage de la flamme olympique sur le canal Saint-Martin. Vendredi. Oh! Ça, c'est un cormoran. Un cormoran qui pêche. Où est-ce qu'il est, cormoran? Oh! Joli cormoran qui est venu assister au passage de la flamme olympique à Paris vendredi quelle date on est le 26 juillet 2024 et ce soir c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Oh, ce qu'il est beau. Ah, il pêche. Un cormoran qui pêche. Les ponts, ils sont ouverts. Canal Saint-Martin à Paris. Donc on est tout près de la place de la République. C'était le passage de la flamme sur le canal Saint-Martin. Et les gens se demandaient quelle personnalité tenait la flamme. Moi, je ne sais pas. Allez, ciao. Merci beaucoup.
Ça, c'est le coin rue Richerin et quai de Saint-Marc. Ici, c'est le quai de Saint-Marc. Nous sommes vendredi après-midi, 15h, tout près de 15h, c'était le passage de la flamme olympique quai de Jean-Marc. Et ici, c'est la rue Alibert. On voit la flamme là-bas, je vais m'y rendre. Il ne pleut pas pour l'instant, on est très bien, pas trop chaud. C'est à peu près 25 degrés, 24 degrés. Il y a une autre écluse là-bas, donc... No hay plan y además está cerrado. Nos vamos a la casa. Claro. No, se va a quedar blanco. Ya hemos visto, ya es un. Bon, la femme elle est là. Je vais faire un petit zoom sur la flamme. Un petit zoom sur la flamme. Et de Jean-Marc à Paris 10. Ah, vous êtes ici, quai de Jean-Marc. De ce côté-ci, et l'autre côté, c'est le quai de Panier. Elle va passer comme ça ou... Non, c'est la fin. On peut pas monter plus haut. C'est le moment de sortir les merveilles, c'est pour les griller. Ah, c'est un peu loin. Mais... Oh, la femme est là. Tout près de la structure, la grisette s'ouvre
l'avenue du Temple. Elle est bien protégée. De monter là-bas. Square Frédéric Lemaître. Canal Saint-Martin et là la flamme va embarquer dans le souterrain jusqu'à la Bastille. Le canal souterrain jusqu'à la Bastille. Bon, ils ont caché la flamme.
Le relais de la femme. Ça s'appelle le relais de la flamme. La flamme olympique. It's the Olympic journey ending today in Paris. Olympic Games starting today, the Friday, the 26th of July 2024. Donc ce soir, c'est le spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Le trajet souterrain dure à peu près, c'est une longueur 1 km et quart, je crois, jusqu'à 1,4 km jusqu'à la Bastille. Oh, c'est la flamme. Le relais de la femme olympique Paris 2024. Bon, elle est passée sous le canal, la flamme olympique. Canal Saint-Martin. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 juillet 2024. Ce soir, ce sera... C'est quoi ce soir? C'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Et là, c'était le passage de la flamme olympique sur le canal Saint-Martin. Direction le port de l'Arsenal à la place de la Bastille.